Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc utip/movedrive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Tu peux dire, hein, tu es d'accord, tu es pas d'accord. Ah, je suis d'accord, bien sûr, mais après voilà, comme on disait, le but c'est que tu te sois remis en question, tu vois. Ouais, tout à fait. Et sans ces critiques, est-ce que tu penses que tu te serais remis en question? Comme ça. Ah, il est bien lui, hein. Ouais. Moi j'ai pas le droit. Hein. Non, t'as pas le droit. Ouais. Sans ces critiques, est-ce que toi tu te serais remis en question du coup? Sans les critiques qu'il y avait sur ta vidéo sur YouTube. Attends deux secondes. Aucune idée. Peut-être ça m'a redonné une carapace encore plus fort avant la haine. Mmh. Aucune idée, tu vois ça. Parce que je sais qu'il y avait ces critiques, que tu me dis. Tout le monde me l'a dit, les moniteurs et tout et ça. Et là, le fait de le voir écrit, tu vas te placer à gauche s'il te plaît dès que possible. Très bien. Le fait de le voir écrit, de voir. Non, parce qu'il y avait des trucs, ils étaient violents quand même. Ouais. T'avais des trucs. Mmh. C'était juste le but de montrer que je suis devant les réseaux sociaux, je me la raconte et je casse juste par plaisir de casser. Peut-être, hein, tu vois, peut-être moi-même, parce que moi quand je dors, je suis quelqu'un de très anxieux, de pensif, donc je me refais des fois le match. Hein. En fait, je me dis qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui doit être amélioré. Je suis très dans l'après de qu'est-ce que je dois faire. Maintenant, c'est peut-être aussi le déclic, on verra. Hein. On verra dans d'autres séances. Je préfère qu'on continue, on est bien. Mais je te sens bien là déjà, je te sens moins crispé sur les tournants, moins violent avec la boîte de vitesse, le freinage moins appuyé. Tu prends plus de plaisir. Voilà, on sent que quand tu fais les contrôles, tu es moins sur le qui-vive, tu transpires moins. Tu ouais, te rappelles ouais. Les premières leçons, comment tu suais? Je sais, même tu transpirais ma compagne me l'a dit. Et là, tu transpires plus, là, tu vois. Bon, il fait pas chaud non plus, mais je te sens plus relaxé, tu vois. Peut-être les plantes. Peut-être. C'est de la weed. Comment? C'est de la drogue, de la weed? Non, c'est de la plante et je sais plus comment ça s'appelle. De la phytose. Ouais. Après, je sais pas aussi, peut-être ça m'a aussi fait plaisir ce remplaçant là du moniteur et il m'a vu nul et derrière il m'a félicité. Il y a peut-être ça aussi qu'à jouer, tu vois. Mm-hmm. Peut-être ça, peut-être, hein. Comme tu as dit, il y a le déclic, comment gérer ça, y croire, mettre un programme en place comme j'ai mis, hein, tu vois, comme j'ai mis un programme en place, les choses, je vais faire du sauna. Parce que ça va me faire du bien, midi 30 tu passes, tu fais du sauna, tu te fais un même sauna, il n'y a pas mieux, non? Ouais. On te passe une conduite à midi. Et je suis dégoûté parce qu'on n'a pas le droit de conduire, parce qu'il y a des bâtards, mais il m'a dit qu'ils se sont plaints que c'était du favoritisme, donc il y a eu des embrouilles en fait sur la là, route. Pour aller à l'examen. Ouais. Donc moi je pensais au moins, donc je suis en réflexion, soit on tâte une heure avec toi, ou peut-être c'est stressant. Le jour de l'examen, tu conduis, non? Bon, la veille, mais pas le jour même. La veille, j'ai déjà vécu, comme bah ça, voilà. Je rajoute avec toi encore. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais moi, je pense que tu sais. Après, on verra ça ensemble, ouais. Mais le but, c'est vraiment que tu te sentes en confiance. Là, ça y est, je pense que la confiance est là. Que tu te sentes en confiance et que tu vois que tu es des bonnes ondes, que tu te sentes bien, que tu t'arrêtes de trop réfléchir, trop de prendre la tête. Tu analyses bien les situations et puis, et surtout, si tu ne comprends pas, tu ralentis, tu t'arrêtes. Plus important.
pas te reprocher d'être trop sécuritaire, ouais, je vois ce qu'il y aura jamais. Qu'en penses de cette auto-école? CER, c'est un réseau. C'est quoi, c'est un réseau? Ça veut dire que c'est des mafias avec les inspecteurs? Non, non, c'est un réseau. C'est un réseau d'enseignants. Hein? Parce que mon frère, il avait fait sur CER à Paris. C'est un réseau d'auto-école en fait. C'est des franchisés, c'est comme McDo. D'accord. C'est bien trois tests, hein, loupé un qui était catastrophe, avait l'idée les deux. Les deux, il était quasi dans la poche. Bon. Tu m'aurais donné combien pour le second? Pareil, un peu entre 20 et 24. Ouais. Pour toi, ça joue le facteur chance. Pour toi, si tu sais conduire, tu sais conduire. Tu serais en mesure de t'adapter aux situations. Moi, j'aimerais tendance à dire l'inverse. Ouais, ça dépend. Moi, j'aurais dit, c'est comment tu gères, comme tu as dit, tes émotions et non pas le facteur chance. Non, mais Parce que quand je dis facteur chance, c'est avec qui tu vas passer, les conditions météo qui vont passer. Est-ce qu'il n'y a pas un mec devant toi qui va te faire une queue de poisson au dernier moment? Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui va te. Ouais, mais là, t'avais vu tout à l'heure, comment est-ce qu'il n'y a pas un piéton qui va surgir devant toi et que tu vas mal réagir? Tu comprends? C'est ça, si t'es au taquet, t'es au taquet, ben, si c'est moi qui passe, c'est sûr que tu l'auras, hein, tu vois. D'accord, putain, le facteur chance, ça joue. Regarde, ne regarde pas les angles morts. L'un et l'autre. Tu vois ce qui se passe quand on regarde pas les angles morts? Oh, mais. Après, tu m'as appris un truc. Y a-t-il eu un accident? Non, ben, c'est bon. Exactement. C'est vrai, j'étais là, j'étais dit, regarde leur compte. Maintenant, je suis plus sur ma conduite. Moi je suis à Nogent, Champigny-et-Marne. Hein. Exactement, on va se placer à gauche dès que possible. À gauche dès que possible. T'as pas un coup d'accès? Ouais, mais là c'était là qu'il fallait le taper, là comme ça. Ah, il fallait le taper sans forcer parce que tu vois, la route allait s'élargir. Ah, tu savais? Bah oui, je regardais devant qu'il y avait deux flèches. J'aurais pu attendre. Là. Exactement. Pas plus rapide que lui? Mais t'es pas forcément plus rapide, la question est pas ça, c'est que t'as pas assez accéléré et que lui il est en phase d'accélération. Je le faisais pas, d'utiliser d'embrayer, juste d'utiliser les freins moteurs. Là j'ai travaillé sur ça. Non pas de jouer que sur l'accélération, de débrayer en deuxième, mais de laisser un peu une sorte de roulis. Droite. Il n'y a que des bosses là, qu'est-ce qui se passe? C'est la route qui est foutue, c'est rien. Il
Bon, écoute, tu vas te placer à gauche dès que possible. Dès que possible, on se replace encore à gauche. Dès que possible. Ouais, j'ai vu là. Problème. Je regarde. Alors vas-y, accélère. Accélère d'abord. Je regarde, tu veux. Voilà, comme ouais, ça. Tu regardes que. Voilà. Pour pas te faire la même dinguerie. Voilà. C'est, ça. C'est pour ça que je veux les six chevaux, c'est derrière, t'as l'autre qui accélère. Et à partir d'ici, tu vas suivre la direction de Paris après. Ah oui. Touche la boîte de vitesse, je vais être tout le temps en train de la regarder. Si tu touches, tu. Elle est en avant, c'est la 1 ou la 3. Là c'est la 3, ça peut pas être la 1 ni la 5. Tout à fait. C'est bien tes élèves, c'est sympa. J'aime bien le petit jeune là. Le petit monsieur là, t'as fait 13 minutes. Il a pas eu l'examen blanc aussi? Qui ça? T'en as fait un Saint-Leu, non? Ah Saint-Leu là, oui, il a. Lui il conduisait. En fait lui il passe l'examen mais il passe pas avec moi, je peux pas aller avec lui à l'examen. Ah, mais c'est normalement, ouais, c'est un candidat libre. Normalement, ouais. Normalement, ça va le faire. C'est vrai? Ouais. Tu me juges à son niveau maintenant ou pas ou encore loin? Non, c'est pas pareil. Lui, il conduisait déjà avant. Ah, c'est ça, un retrait de permis? Ouais. Non, c'est pas ça. C'est... Il avait un permis étranger. On va se placer à gauche dès que possible. Enfin, notre idée, il y va là. On va le laisser. Il sera sûrement en angle mort. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est que t'as compris le on va le laisser. Ça veut dire on n'accélère pas, on va le laisser continuer et on va se mettre derrière lui, on va le laisser, ça c'est bien ça. Ah d'accord. C'est que t'as compris que derrière lui il y avait de la place, ou encore après derrière lui il y ouais, avait de la place. Ouais, commence à être mieux. Et ça tu savais pas le faire avant. Non, tout à fait. J'ai plus ou moins encore des hésitations. Je sais pas, je vais pas te mentir, c'est un peu... Et quand il y a des hésitations, tu prends pas de risque, t'attends. Ouais. Tu sais, tu t'accélères pas. Parce que moi j'ai évalué quand on avait tout à l'heure, que si je donnais un coup d'accel, il était encore large. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Après, ça, toi, t'as raison, j'ai la sécurité, de toute façon, ça remonte. Ça, t'as de belles femmes hein, qui font des cours avec toi. T'en as pas mal. Madame, elle est pas jalouse. Je vais tester le F1 80, la courbe. Ah ouais, ça fait flipper. Ah ouais. Ah t'as raison, tu kiffes après. Ah oui. Tu vois. Même ça fait un peu flipper quand même. Passe la 5. À droite? Ouais, dès que possible. On laisse passer. Vas-y, passe. Je te laisse. Accélère fort. Ah non, parce que je vais laisser. Ouais, mais alors, il a devant, il y a de la place. Tu pouvais. Parce que moi, je voulais passer après lui. Tu vois le truc? Ça, c'est pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. Ouais. Tu vas sortir à la prochaine. Ah non, j'ai compris ce que tu veux me faire. Je me trompe pas. Tu veux me faire tester la voie d'accélération? Tu vas rester sur la voie de gauche. La voie de gauche. Gauche? Est-ce que c'était une... Est-ce... Pourquoi t'as pas freiné? Ouais, je me suis fait... C'est moi qui ai freiné à la fin. Ouais, ça c'est toi. Il y a le virage et tu freines pas. Non, je me suis perturbé. C'est au dernier moment que j'ai capté. Excuse-moi. Il y a rien. Fallait juste que tu freines plus. Tu sais qu'il y a le virage, tu vois pas en plus. Toi qui es si craintif des virages. Cette fois-ci, tu t'es pas assez méfié. Merde.
t'as dit, tu peux prendre la voie de détresse, tu regardes. Lui, il a regardé ici. Il a regardé beaucoup.